sais, on m'a beaucoup demandé pourquoi j'avais choisi de faire mon road trip en moto et de passer le permis moto plutôt que le confort en voiture. Alors ça, c'est une petite histoire que je t'ai jamais racontée, que je vais te raconter maintenant. Si tu veux, quand je suis arrivé au lycée, je me suis découvert une espèce de passion, d'adoration pour la moto et notamment pour les Harley. Et mon rêve dans la vie, c'était c'était de m'acheter une Harley, de m'acheter un appareil photo et de voyager à travers le monde, de faire un blog, tu vois, en publiant mes photos et en pensant que les gens paieraient ou que je sais pas comment, mais je voulais faire des photos de trucs stylés et voyager dans le monde en Harley, tu vois. Et ça, c'était mon rêve en seconde, du coup. J'ai été pas mal de temps obsédé par le permis moto 125. Tu sais, en France, tu peux passer le permis 125 à partir de 16 ans. Et du coup, je me souviens, dans le garage à vélo du lycée, je passais tout mon temps à mater toutes les motos et à décortiquer un peu, essayer de voir comment ça marchait et tout. Et le truc, c'est que très vite, ça m'a passé parce que j'ai eu 18 ans et j'ai voulu avoir une voiture. Et du coup, entre les deux, j'ai décidé de passer le permis voiture parce que ce serait quand même le plus utile. Et du coup, la moto, ça m'a un peu quitté. Et là, en revenant en Australie, je parlais à un gars là qui bosse avec moi d'ailleurs, il s'appelle Moritz, tu l'as déjà vu dans mes vidéos. Et il me disait qu'après bosser dans cette entreprise, il comptait s'acheter un 4x4, tu vois, pour voyager dans l'Australie et tout. Ouais, j'ai mal au bras, ça fait mal au bras de tenir le trépied comme ça. Et du coup, il m'a donné l'idée de faire un road trip, mais le truc, c'est que je me disais, mais attends, ici le permis quand même moto, tu peux le passer pour 400$ et en 2 jours, quoi. Donc pourquoi pas au final, c'est peut-être le moment. Donc en fait, c'est ça, c'est que c'est un peu pour moi l'occasion de réaliser un vieux rêve, tu vois. Et ouais, j'ai envie de voir ce que ça fait, quoi. Et comme ça, ça me permet aussi d'avoir un peu d'expérience sur la moto et de savoir si j'ai envie de le passer en France, tu vois. D'ailleurs, à propos de ça, le permis que je vais passer, normalement, il va pas du tout être valide en France, sachant qu'il est valide que 15 mois en Australie. C'est une sorte de permis, c'est inférieur au pays permis probatoire, tu vois. C'est une sorte de un permis intérimaire, tu vois. Mais en France, je pense pas qu'ils connaissent un peu tous les détails de la structure des permis en Australie. Du coup, si je garde le papier, on sait jamais, ça se trouve, je peux demander à faire une traduction en permis complet moto et on verra, quoi. Ouais, ce serait drôle. Bon, là, on se dirige au boulot. Aujourd'hui, ça va être un gros job quand même, parce que je bosse avec le gros camion, le 8 tonnes. Bon, moi, je le conduis pas, hein, mais... moi, je le suis avec un petit camion, le 2 tonnes. Donc, normalement, ces jobs-là, ils sont assez gros quand même.